Salut, c'est Bibi sur Banishers Ghost of New Eden. Dans les Airs, au niveau de la boutique de Phoebe Walcott, il y a une carte au trésor qu'on peut acheter contre 500 pesos et qui s'appelle la cache des deux rochers. Comment allez-vous ? Tout est... Je peux regarder ? Je tiens. Et là, il n'y a pas tromperie sur la marchandise. En fait, de carte, c'est un dessin avec deux rochers et une flèche entre les deux qui indique donc l'emplacement du trésor. Ce trésor se trouve au nord-ouest de la ville des Hers, au niveau d'un abri qui s'appelle la vieille maison des collines. C'est avant la zone qui mène jusqu'au moulin et avant de choper un raccourci pour retourner dans les bois sombres. Toujours est-il que maintenant, je vais vous montrer comment rejoindre les deux rochers et le trésor à partir de cet abri. Ressemble au dessin sur la carte. Il y a quelque chose, c'est proche. Voilà, le contenu de la cache est maintenant à vous. On a fait une bonne plus-value, mine de rien. Sur ce, je vous souhaite un bon jeu et à bientôt. Ciao!